c'est des enfants fantômes. Parce qu'ils ne peuvent se réclamer aucun droit. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'État central ne peut pas régler le problème de l'État civil. Je le défie. C'est un projet qui nécessite beaucoup d'énergie. Il faut avoir le courage, la détermination pour aller au bout. La première fois quand j'étais à visite à Dogbo, j'étais vraiment impressionné par le fait que nous partageons beaucoup. Donc on s'est trouvé immédiatement. Le partenariat que nous avons avec Dogbo, c'est vraiment un partenariat du cœur. Au début de la coopération, on a analysé le processus de l'acte de naissance, d'enregistrement, et on a 60% qui étaient déclarés. On a vu dans les petits villages qui sont très loin du centre de Dogbo, les femmes doivent venir jusqu'aux mairies ou jusqu'au bureau des arrondissements pour déclarer. Mais on a vu, les femmes n'ont pas les moyens. Et alors on a dit avec la ville de Rousselaar, on peut financer les motos si la commune de Dogbo engage des agents pour aller collecter les fiches de naissance. Des actions fortes ont été menées. Tout le monde a été formé. Il y a eu des séances de sensibilisation dans les églises et dans les lieux de culte traditionnel. Ça a eu beaucoup d'effets. Plateforma, c'est une plateforme qui permet aux acteurs de la coopération décentralisée d'échanger et d'avancer ensemble pour inventer des nouveaux projets de coopération. Les Plateformes Awards, c'est la volonté justement d'identifier des exemples qui peuvent être reproductibles et qui ont du sens par rapport à l'engagement des collectivités territoriales et au rendu par rapport aux citoyens. By registering every individual child and giving them a place in the world, I think one of the key messages from this project in Benin is that nobody should be left behind by the Sustainable Development Goals. Le but du partenariat, c'est de renforcer la capacité, mais aussi la sensibilisation est très important. Je veux dire la sensibilisation là-bas, chez les gens de Dogbo, mais aussi chez nous. Depuis que je maîtrise les naissances dans ma commune, ça me permet de planifier. En matière de l'éducation, le nombre de modules à construire, au niveau de l'enseignement secondaire, au niveau de la santé, au niveau de la route, c'est un outil indispensable pour le développement. Toute commune doit maîtriser les naissances pour planifier le futur.